crapousset. Pousser. Toi seul peux les comprendre. Ils te guideront jusqu'au rayon enchanté. Et grâce à eux, tu trouveras la vallée des crapauds. Difficile à dire maintenant qu'on n'a plus notre pisteur. Oh, hey, oh, oh,
qu'est-ce qui m'est arrivé? T'es tombé dans une empreinte de grand pied. Une empreinte de grand pied? Là! Suivons-les! Hé, attendez-moi! Pas si vite! C'est de ta faute. Tu folâtres toujours où il faut pas. C'est pas moi qui ai proposé de jouer à saut de crapaud. Il a fallu que tu fonces tête baissée. Pas vrai. Même que si. Même pas vrai. Même que... Où est-ce qu'on est encore tombé? Regarde. Youpi! On est libre. Mais qu'est-ce que c'est? Mystère et pépins de pomme. Où est-ce qu'on est? Allez, on avance! Et que ça saute! Fortiche, reviens en arrière! Pourquoi? Tu es sur le long ruban plat. Hein? Il y a un conteneur qui roule! Je les vois là-haut! Maintenant, on fait quoi, nous? Souviens-toi des paroles du patriarche. Oh, cherche un tunnel. S'il vous plaît, monsieur, nous aimerions traverser. On dit madame, si c'est pas trop demandé. Pardon, je voulais pas... Non, ce n'est rien. Appelle-moi Daphné. Alors, petit barboteur, pourquoi cette agitation? C'est à cause des jumeaux. Ils ont été capturés, madame. Oh, les pauvres! Pendant qu'on jouait à saut de crapaud. Bien à l'abri dans le sous-bois, je suppose. C'est-à-dire que... Oh, par la langue fourchue d'Erebus! Comment peut-on être aussi bête? Laissez-moi deviner, vos amis sautillent à droite, à gauche, la 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 la, sans se soucier de rien, quand tout à coup, bam! Sans avoir le temps de dire ouf, les voilà prisonniers d'un... Ramasse, petite bête! Pourquoi vous n'appelez pas un saut? Un saut? Le saut est un redoutable piège à crapounet. Que faire maintenant? Je ne vois plus qu'une chose à faire. Poursuivez votre chemin, retrouvez le rayon enchanté et oubliez vos amis. Quoi? Croyez-en mon expérience. Ils sont fichus. Oh, petit boulot! Qu'est-ce qui se passe? Ça, j'aimerais bien le savoir. Hein? Voilà le grand pied qui revient. Comment ça, fichu? Expliquez-vous. Aucun crapounet n'est jamais revenu de chez les grands pieds, malheureusement. Jamais? Jamais. Il faut vous faire une raison et poursuivre votre route si vous voulez trouver le rayon à temps. Allons, en route. Non. Mais? Nous n'irons pas sans eux. On veut jouer au plus malin? Oh, s'il vous plaît, aidez-nous! Oh, pitié! À vrai dire, il vous reste un maigre espoir. Les grands pieds viennent presque toujours en forêt en voiture, ces effrayantes boîtes à roulettes. Le tonnerre qui... Ne m'interromps pas. Et toutes les voitures se reposent en bas de la colline en rang bien serré. Si vous faites vite, il y a peut-être une chance que vos amis soient encore. Merci, Daphné. En route, et que ça saute! J'espère qu'il ne leur est rien arrivé de grave. Oui, oh là là. Oh, pourvu qu'on n'arrive pas trop tard. Peut-être qu'ils veulent nous engraisser pour avoir plus à manger. On est tout seul. C'est le moment ou jamais de s'enfuir. Fleur bleue? Le tonnerre qui roule, ils sont là-bas. Ils appellent ça une voiture. Ils sont encore loin? Grosso modo, à un millier de bonds. Si loin que ça, on n'y sera jamais à temps.
moi ces grands pieds. Hé, hey, sortez-moi de là-dessous. D'un autre côté, je me demande ce qu'ils ont après nous. Ce qui est certain, c'est qu'ils nous ralentissent. Pas si sûr. Que fais-tu? Je mets au point une stratégie pour notre évasion. Oh mmh. Mmh. Hey, Chiboulot, elle est bientôt au point, cette évasion. Dépêche-toi. T'es sûr que tu n'oublies rien? Oh. Je prends le commandement des opérations. Oh. Chiboulot, ça va? Oh. Oh. Tout le monde est prêt? Alors, en route! Yao, à ça des quoi? C'est marrant! Ouais! J'ai entendu un bruit. Ça vient de là-haut. Oh, désolé. Qui êtes-vous? Je suis Diavoiref, et c'est Trifotin. Je lui secoue les puces, il me le rend bien. Comme vous le voyez, nous sommes jumeaux. Et quand l'un dit et l'autre fait écho. Nous aussi, nous sommes jumeaux. Oh, Bilbevé, fais du pipeau. Jumeau, mon œil, c'est un garçon. Et elle a une fille, crénom de nom. Oui, c'est une fillette et lui, un squelette, une vedette, une courgette. Bon, ça va, arrête, on va pas y passer la nuit. On est vraiment jumeaux. Bien sûr, c'est vrai. Mais oui, c'est ça, on vous croit. Ça y est, j'ai trouvé. Mmh. Elle, c'est une fillette. Et lui, une mauviette. Oh, même pas vrai. Je suis un crapounet. Oh, laisse tomber les rimes. Tu vois pas que ces petits ont l'air perdus? Vous avez raison. Elle est loin, votre maison. Vidi la ferme. Oh, ça va. Oh, ce qu'il est chatouilleux. Maintenant, il faut que nous sortions d'ici. Attendez, il n'y a pas le feu tout de même. Vous voudriez pas rigoler un peu avant de partir? Nous ferions mieux d'y aller, c'est plus... Ouais, moi je suis d'accord. Nous allons trop vite, hein? Ralentis, Boniface. Je voudrais bien... Oh non, le long ruban plat. J'espère que vous avez fait un agréable voyage. Très agréable, merci. Je sais que vous mourrez de peur et que vous êtes prisonnier. Mais tout malheur a son bonheur. Et profitez-en pour visiter. Le monde est un grand 8 où tu veux jouer, quel bonheur. Si tu te moques de tes peurs, tout devient rire amusé. Et même s'il t'est rempla-pla, quand les grands pieds passent à grands pas, souffle un coup, ouvre les yeux, tu verras, c'est merveilleux. Il y a plein de trucs qui tournent, qui dansent, qui bougent, qui chantent, les balances. C'est un bon, et si t'as de la chance, tu peux même te remplir la panse. Le monde est un grand 8. Au diable la panique. Finalement, c'est plutôt la belle vie pour vous ici. C'est le rêve, petit. Pas de travail, pas de soucis. Et de quoi manger en pagaille et un endroit où c'est pour la nuit. Rien d'autre à faire que jouer toute la journée. Pourquoi on resterait pas ici avec eux? Pour qu'on se transforme en champignons? La fête est finie. On ferme.
va-t-on sortir? Va falloir faire marcher vos neurones. Suivez les professionnels. Oh. Je vois la voiture. Et eux, tu les vois? Non. Oh, j'espère que les jumeaux sont à l'intérieur. Moi, j'espère qu'ils sont à l'extérieur. Essayez de penser comme une souris. Oh. La 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 la. Je vais y arriver. Quoi? Oh non, on est repérés. Traversons à toute vitesse. Oh non, Fleur Bleue, c'est trop dangereux. Dangereux? Oh, oh, c'est vrai. Il faut qu'on trouve un autre tunnel, et vite. Notre sortie réservée aux membres du club. Strictement brisée. Étant donné la situation, je vous nomme rongeur temporaire, à titre honorifique. Bienvenue au club des rongeurs. Je ne vois aucun tunnel. C'est parce qu'il n'y a aucun tunnel. Comment va-t-on traverser? Eh oh, la compagnie, j'ai trouvé quelque chose. On est libre, on est libre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à savoir ce qu'on fait ensuite. Eh bien, petit, étant donné les circonstances, ce n'est pas compliqué. Il n'y a qu'une chose à faire. Oh oui, incontestablement. C'est quoi? Courir! Eh ben... C'est le tunnel le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'on fait? Vous croyez qu'on traverse? Nous n'avons pas le choix. C'est dangereux de rester là. Le petit a raison. Ils peuvent démarrer d'une minute à l'autre. Et alors... Splatch! Oh, oh très sautin. Oh, oh, j'ai gaffé. Et maintenant, on fait quoi? Cogitus très rapidus. Si on... Ne l'interrompez pas. Il nous concocte un plan d'enfer. J'ai trouvé! Oh. Génial. Bon alors, c'est quoi? Vous verrez en temps utile. Mais moi, vous croyez qu'on me mettrait au courant? Ça ne ressemble pas du tout au tunnel que nous avons traversé jusque-là. On ne s'arrête pas, allez! Regardez-nous faire. Et dès que la voie est libre, courez! Bonne chance, les enfants! On s'est payé une tranche, hein? Oh. On est des petits crapounets qui crapahutent gaiement, pourvu que personne ne nous voit. On chatille, on chatille. J'ai un mauvais pressentiment. Oh non! C'est bougé! Ah! Le long ruban plat! On entre, on ressort, faudrait savoir ce qu'il veut! Maintenant, il faut trouver autre chose! Hé, ils sont de l'autre côté! Oui, c'est bien eux! Ciboulot! Ciboulette! Oh, ils ne nous entendent pas! Ils ne savent pas qu'on est là! J'ai de quoi attirer leur attention! Oh, Ciboulot, regarde! Ce sont les autres! C'est la petite patrouille! Ils nous ont retrouvés! Une voiture! Oh non, le géant grand pied les a rattrapés! Et il se dirige droit sur nous! Tout le monde à l'abri! Il nous a relâchés. Ciboulette, Ciboulot, si vous saviez comme j'étais morte d'inquiétude. On était tous morts d'inquiétude. On croyait bien qu'on ne vous reverrait jamais. Oh, je suis soulagée de vous voir sain et sauf.
Tiens, Ciboulette, je t'avais gardé ta lorgnette. Oh, oh, t'es un amour. Ça nous a drôlement servi. Bon, il se fait tard maintenant. Nous devrions chercher un refuge. J'ai repéré un endroit bien de ce côté. Petite patrouille, en avant, marche! Un coup je descends, un coup je remonte. Ça n'en finira jamais. Hé, Ciboulon! Oui? Je m'en veux de t'avoir entraîné avec moi. Inutile de t'excuser. C'était pas vraiment de ta faute. Tu es venu à mon secours sans hésiter. C'était vraiment très courageux de ta part. Pourquoi crois-tu qu'ils nous ont relâchés? Je sais pas trop. Peut-être que les grands pieds sont pas si méchants. Peut-être qu'ils savent que la forêt nous appartient. Ouais, peut-être. Oh, j'espère que Diafoirus et Trissotin sont sains et saufs. Oh, je suis sûre que oui. Thank you.